Bonjour, vous êtes avec moi sur le stand du Baden-Württemberg. C'est une région qui se trouve dans le sud-ouest de l'Allemagne. On est à quelques kilomètres de l'Alsace. Et on est à Lyon sur le Mondial des métiers depuis 19 ans. Chaque année, on présente un peu autre chose. Donc sur le stand, il y a une partie pour la démonstration professionnelle, une partie pour l'information et les conseils. Donc cette année, on a amené un partenaire qui est l'école professionnelle Karl-Hofer-Schule de Karlsruhe, qui présente les différents métiers sur le stand autour des animations ludiques. Donc il y a le tailleur, la tailleuse sur mesure, le concepteur médiatique et le graphiste designer. Et d'ailleurs, c'est ce dernier-là, le graphiste designer, donc une équipe de jeunes, d'élèves, des jeunes, on dirait, en formation, qui ont looké notre stand. Donc vous voyez les couleurs noires et jaunes. On a notre logo, donc c'est les trois lions, donc c'est aussi quelque chose qui nous rapproche de Lyon. Et on est très content d'être là. C'est le système de formation qui, chez nous en Allemagne, est surtout la formation duale, das duale Bildungssystem. En France, il y a aussi des modèles d'apprentissage par alternance qui sont de plus en plus demandés parce qu'on croit que c'est un modèle qui vraiment permet aux jeunes de mieux intégrer le marché du travail. Donc on fait un peu la promotion pour ce modèle à travers aussi la couture, à travers les métiers qu'on présente. Le stand, c'est une plateforme où il y a d'autres partenaires qui se présentent, comme par exemple l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui propose des programmes de mobilité pour les jeunes ou moins jeunes qui souhaitent faire un séjour de formation, un stage par exemple, en Allemagne. On a aussi des conseillers qui parleront ou qui parlent du marché de l'emploi parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. On cherche des gens qualifiés. En France, il y a beaucoup de chômage et ce qu'on a constaté aussi sur notre stand, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes ou moins jeunes aussi qui ont envie de changer et pourquoi pas s'orienter vers l'Allemagne. En fait, la base, c'est d'avoir une bonne formation, d'être qualifié. Et à partir de ce moment-là, la main-d'œuvre qualifiée trouve du travail. C'est fait en allemand, normalement, mais il y a bien sûr des grandes entreprises où les équipes ils communiquent en anglais. D'accord. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup d'aide. Et là, par exemple, il y a l'Institut Goethe aussi sur notre stand qui propose des cours de langue. On peut se former avant d'aller en Allemagne ou faire même un séjour linguistique en allant dans le Baden-Württemberg, qui d'ailleurs est une très 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 belle région. Aller sur la présentation de notre stand, c'est le numéro B6, Baden-Württemberg, donc ça détaille tous les partenaires, donc très vous bien. Pouvez prendre contact si vous cherchez un travail avec EURES, qui sont des spécialistes pour l'emploi. Donc, il existe aussi des conseillers en France, très bien, de Pôle emploi, ou bien prendre les adresses qui sont indiquées sur le site du Mondial des métiers.